Plop les gens, de retour sur The Settlers 2, 10e anniversary édition. Mission L'épave. 3. Tac tac, je réaffiche tout, c'est bon. Oula. Et on vient d'avoir dans le chargement une notification qui disait que on peut arrêter la production à tout moment, et dans le cas du chantier naval c'est même nécessaire, donc ça prouve que j'avais bien fait de le bloquer. Punaise, mais un bout de bois quoi. Tu veux pas faire plus, envoyer plus? Il y a 3 bûches au total. Qui a besoin de une bûche? Cette scierie, à quoi il y a une cabane de bûcheron, un séviculteur, et 2 cabanes de bûcheron. Ici on peut mettre un chasseur. Décrire un. Lui, on va pas remettre de civiculteur ici, mais on va mettre un civiculteur par ici dès qu'il y aura un soldat qui nous fera voir plus loin. Alors, bâtiment terminé, le moulin sur quelle île? Ok, sur la base principale. Oui. La boulangerie, alors j'essaie de m'y remettre parce que du coup ça fait une semaine que je n'y ai pas joué. La boulangerie, elle est juste au-dessus de tout ça. Très bien. Le moulin d'ailleurs, il était là, oui, juste à côté. Et la boulangerie, alors cette boulangerie, elle est loin par contre. Mais pourquoi pas, parce qu'il y a un moulin là qui va se finir. Et il y a plusieurs fermes sur le trajet, pas loin. Donc ça permet aussi de ramener les céréales de ce côté. Voilà, ce moulin vient de se terminer. Ça permet de ramener les céréales plutôt de ce côté. Les transformer ici. Je crois qu'il y a peut-être une ou deux carrières dans le coin. Peut-être, pas sûr. On dirait pas. Enfin, il y a celle-ci, mais c'est tout. Et puis, si jamais il y a de l'excédent, on peut ramener à la base principale quand même. Enfin, au QG et au reste. Atteindre le portail. Tac tac. Oui, on est juste en phase d'expansion dès qu'on peut. Une ferme terminée, très bien. Alors il y a 9 épées, 42 boucliers et 9 épées seulement. Pourquoi une telle différence? Il y a 59 bières et 0 pièces de monnaie. Ok. Et les pièces de monnaie. Non, ça c'est une ferme, l'entrepôt doit être ici. Donc pièce de monnaie, il y a de l'or d'avance, mais pas de charbon, d'accord. Il me semble qu'ici, ok, ici il manque plutôt du poisson, enfin de la nourriture pour faire travailler les mines de charbon. Ce chasseur ne fonctionne plus, donc on va détruire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, j'essaie de trouver un endroit, mais il n'y a pas vraiment d'endroit dans ce secteur-là. Il n'y a que des montagnes pour mettre une cabane de pêche, on peut pas trop. Ici, ça a l'air d'aller. Il y a une cabane de pêcheurs, là, il y en a une.
mouchoir qui se met entre l'écran, l'enceinte et... Et la souris de Cinnabon sur son tapis de souris alors qu'elle a un oreiller tout moelleux juste à côté, pas loin. Mais non. Cabane de chasseur, très bien. Toi, tu as 3 blés de rabe, tu t'en vas avec. Pourquoi pas, cabane de bûcheron. Oui, d'ailleurs, j'avais dit que c'était pas ouf. Mais ici, il y a quand même 3 fermes et ouais, un moulin, une boulangerie. Okay. Vaut mieux que ça exporte plutôt que ça importe. Donc, je pense que ça va le faire. Ah, c'est lui qui peut pas venir ici poser parce que lui veut pas bosser. Lui non plus, il peut pas poser. Ah, parce que là, c'est pas relié, d'accord. Ok, très bien. Oui. Et ici, je voulais attendre que cet arbre soit détruit pour éviter de faire un détour, mais un détour comme ça, ça passe. Donc on va dire que ça passe. Ici, on va rajouter une ferme, parce qu'on n'a jamais assez de ferme. Hop, on vient là. Alors, 29 boucliers et 28... Quoi ? Tout à l'heure, c'était un nombre... C'était des nombres totalement... différents. 28-28, ça reste logique. Tour de garde est occupé. Et on voit leur première maison de garde. Donc on va pouvoir commencer les assauts, peut-être. J'ai qu'un seul soldat dedans, je suppose que si j'attaque... Impossible d'attaquer pour le moment. Pas assez d'unités. Pour toute cette région là, je crois qu'on avait déjà vu vite fait ce qu'il y avait ici, mais je me souviens plus. J'ai vu un lapin, c'est peut-être pas assez pour mettre un chasseur. Ici c'est relativement loin, mais ça reste reste un passage unique, quoi. Pas spécialement envie de dire que je veux pas de soldats. Ici, par contre, oui. Je veux pas de soldats. S'en fout. Surtout qu'il fait comme si c'était une frontière proche, alors que c'est relativement loin en vrai. Donc comment on fait? On veut plus de soldats, on veut plus de soldats. Je comprends même pas trop comment on peut avoir plus de soldats que ça. Vu qu'on a... Alors aucune ressource découverte, très bien, les deux mines ont fini. On peut récupérer la nourriture? Non, on récupère que 2 planches de bois et puis toutes les nourritures qu'il y a dedans, tant pis quoi. Dommage. Bâtiment, terminer les casernes. Peut-être détruire la route. Oh, c'est la même du coup. C'est à cause de la ferme, si on détruit la route de les fermer celle-ci, on peut faire quelque chose d'un peu mieux. Parfait. Parfait. Mmh.
Sauvegarde auto. Alors ici. Lui ramène un charbon et une céréale, ce qui est bien, puisque il me manque que du charbon. Les bateaux, on a 11, on en fait quasiment jamais des voies maritimes, donc c'est peut-être pas besoin de plus. Charbon découvert, d'accord, ici il y a du charbon aussi. Après, comme on a vu, c'est pas le charbon qui manque, c'est pas les mines de charbon, c'est les faire tourner, donc il manque du poisson par exemple. Et c'est pour ça qu'on a mis l'élevage de porc. Ah oui, mais l'élevage de porc il n'inclut pas la... L'abattoir. On va peut-être faire un abattoir ici alors. On peut faire un abattoir là. Normalement. Oui, je vais juste regarder celui qui est dans la base, celui qui est vers le QG, ici il travaille déjà à 95%. Donc un élevage de porc égale un abattoir à peu près on dirait. Donc oui, on va mettre un autre abattoir ici. Oui, on peut mettre une ferme là. Ici au final j'ai bien investi la région. On va détruire ça, on va pouvoir faire une route un peu plus droite. Ah, plus de ressources dans la mine d'or. Les mines d'or. On peut peut-être ramener un géologue pour voir s'il y a plus de d'or dans le secteur ici. Ah mince. Celle-ci, elle en avait peut-être. J'ai vu les deux à côté, j'ai cru. Détruire, oui. On a un géologue ici aussi, on sait jamais. Zigzag. Une ferme terminée, ok, sur l'île du Sud. Est-ce qu'on a... Alors dans les colons, est-ce qu'on a des fermiers d'avance? Fermier 0, d'accord. Et est-ce qu'on a des faux d'avance? On a 8 faux, donc normalement, un fermier prend une faux et c'est bon quoi. Ah, j'ai une mine d'or ici qui n'est pas utilisée. J'ai 0 pioche d'avance et j'ai... Donc, mineur
où est-ce qu'ils peuvent être les mineurs? Ouais. Tailleur de pierre, hein, peut-être pas vraiment. Mineur, ok, j'ai un mineur. Mais zéro pioche d'avance. Ok. Donc les mineurs, c'est un peu juste. Ah là, il y a bien 3 soldats. Ici, ce tour pas rempli, c'est super. Il est quand même vachement joli ce puits. Mieux que le nôtre. Hein. Ça fait piscine municipale avec les carreaux bleus. Je peux commencer une attaque juste pour voir. Il y a du charbon, ok. Du charbon, donc ici on pourrait avoir du charbon, mais est-ce qu'on en a besoin? Vu que lui n'a déjà pas de ressources, il n'a peut-être pas besoin de tant que ça. Il s'en va le géologue? Non, il vient ici justement. Il y a un peu de charbon dans cette mine encore. Ok, quoi c'est marqué. Charbon beaucoup, ok. Là on emmène un fermier, un mineur je suppose. Et on remonte de charbon. Non c'est pas un mineur, c'est quoi quand il y a la faucille et le marteau? Si c'est un mineur, ok. Or découvert par le géologue. Donc ici il y avait bien plus trop d'or. Ici on a moyen, ici on a beaucoup. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui crient dehors, je sais pas pourquoi. Ils sont contents. C'est l'essentiel, je dirais. On va se mettre là. Non, pas mine de fer. Mine d'or. Oui. On va se relier là, et ce drapeau, on peut le supprimer maintenant. Celui-ci aussi. L'abattoir est terminé, donc les porcs vont faire un petit tour, mais ils peuvent aller jusqu'à l'abattoir ici et repartir dans les mines là ou ici. Non, ce n'est pas des mines. Là ou ici. Ou ailleurs, s'ils le veulent. À gauche? Ouais, c'était à gauche que je voyais. Ok, mais c'est ma production de soldats qui m'embête. Pourquoi j'ai pas le même nombre d'épées et de boucliers et alors la fonderie elle est là, la forge elle est là, ah parce qu'il y a 18 épées ici, d'accord. Deuxième fonderie, oui. Entrepôt, lui, il accepte pas. Oh, je crois que je vais devoir faire la chasse. Alors ici, tu les vires. Voilà. Ok. Où est-ce qu'il y a d'autres? Au port. Bah ce port-ci, à la limite ça peut être celui-ci. Ça peut être celui-ci, c'est pas trop loin du QG, c'est juste au sud, c'est... Oui, ça me va. Mais du coup, toi, tu vires tout ça. T'en demande pas. Ensuite, où est-ce que j'ai un autre entrepôt? Ici. Ok, je l'avais déjà dit. Est-ce que j'en avais un autre ici? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une ferme de terminer, oui. Hmm.
Alors ici, pareil, on demande pas juste des vaisseaux d'épée et boucliers. Que cette île n'a pas d'autre entrepôt de toute façon. Oui, le fermier vient d'arriver, très bien. Sauvegarde auto. La tour de garde est occupée, enfin. Ah, là en fait on va pas pouvoir passer, on peut rien faire. Alors on va mettre une petite cabane de pêcheurs ici, parce qu'on a besoin de bouffe. Chose comme ceci. Je pourrais même en rajouter une ici, j'hésite un peu. On va dire non pour le moment. Ah mais ici on peut. Et même là. On peut pas ici. Là. Très bien. Ici, si on peut mettre un bûcheron pour raser ces quelques arbres. Alors, la ferme est terminée, il y en a une autre qui se termine juste à côté. Cabane de bûcheron, on est où? On est là. Aucune ressource découverte, ok. Son rayon est vidé. Très bien. Donc la carrière, non. On la détruit, oui. Là où il y avait la canne de bûcheron, on peut la détruire aussi. Parce que je préfère garder l'espace pour faire des fermes. Ah. On attend un peu. On pourrait faire un élevage de cochons ici d'ailleurs aussi. C'est une belle zone. Il ramène du charbon et de l'or en minerai. Mais ici on n'a pas mis de ferme. Mine d'or terminée, parfait. On l'attaque, je suppose qu'elle s'est pas hyper bien passée, mais... Peut-être qu'une première attaque. Je pense qu'on peut recommencer là avec 4, on en avait des bien avancés. Je sais pas si c'est dans ce scénario ils s'améliorent ou pas. Thank you.
regarde un petit peu comment ça se passe, combien ils ont de soldats. Soldats, c'est 1, 2. Ouais, ils ont l'air d'avoir quand même plus de soldats que nous, si je ne me trompe pas. Non, c'est équilibré. À moins qu'ils en aient dans la maison de garde qui ne sortirait que au moment de l'attaque. Enfin, que quand un de leurs alliés succombe. Ce qui est possible. Ah, bah, pour le moment, c'est plutôt un des nôtres qui a succombé. Alors qu'on pourrait parlementer gentiment et leur dire laissez-nous passer jusqu'au portail. Non, on préfère se battre. Ouh, ils nous ont bien défoncé. 4 pour 0. C'est pas bon. Et moi j'arrive pas à avoir des soldats dans mes contrées éloignées. Pourtant là il y a des gens quoi, il y a de la main d'œuvre. Le soldat est au bas de l'échelle militaire. Il lui faut une épée, un bouclier et un fût de bière. Ah, il lui faut aussi un fût de bière. Ok. Où sont stockés mes fûts de bière? Où est stockée ma bière? Où est produit ma bière? Elle est produite ici. Non, ben... On va revenir à ce qu'on faisait avant. À ce qui était prévu plus tôt. Hop, ici, pas de pierre. Il n'y en a pas un là. C'est là. Pas de bière, pas de bière, pas de bière. Je croyais que la bière, ça servait à les faire monter en niveau. Mais non, c'est nec. Ce ne sont que les sous. Cabane de civiculteur, très bien. Juste quand la cabane de bûcheron est en train de d'avoir tout ratiboisé. Mais il n'y a pas d'ouvrier pour le moment. Cavane de pêcheurs terminée. On ramène du pain. Cette cabane de bûcheron là. Bon, tout on peut détruire. Toutes les épées qui sont en train de sortir l'un après l'autre gentiment. Et qui sont censées aller au seul endroit où on les accepte. C'est-à-dire l'autre port. Ils auraient pu passer par un bateau qui les prenne tous. Moi, si j'avais pu, j'aurais dit bah, tout là-dedans et hop, on envoie. Mais dès qu'il y a un chemin terrestre, j'ai l'impression qu'ils préfèrent utiliser le chemin terrestre. Bâtiment terminé, ferme. Oui. J'ai hésité un moment à mettre un bûcheron ici pour s'occuper de ces quelques arbres.
Oui, la brasserie est là, en plus. J'avais oublié. Donc elle est vraiment juste à côté, c'est pour ça que je voulais que les épées et boucliers viennent ici. Mais ils ont choisi de venir dans l'autre. Or, au moment où j'ai fait ce lien-là. Donc là, on voit les épées et boucliers qui avancent petit à petit. Oh, une pièce. Ah, ici, c'est un chemin un peu long. D'accord, c'est pour ça que ça fait le... C'est ici où il y a le goulot d'étranglement. Mais si je le coupe en deux, ça fera peut-être moins goulot d'étranglement, en tout cas quand il y aura les ânes. Juste le porteur, lui, il va toujours rester tout seul, je pense, sur son bateau. Donc ça deviendra lui le goulot d'étranglement. Donc c'est pas mieux. Ça on peut détruire parce que là ce qu'on veut c'est que ça aille ici directement. Ça évitera de faire une étape avec eux. Deux étapes, plus qu'une seule. Un poil longue, mais je pense que l'âne va suivre bientôt. Canne bûcheron terminé. Oui, il y avait quelques arbres ici pour pouvoir faire plus de fermes. La carrière n'a plus de ressources. On l'a détruit. Cette mine de charbon non plus. Je voudrais voir si je fais stopper la production. Non, la nourriture ne sort pas. C'est dommage. Élevage de porc terminé, oui. Normalement sur cette île, il y a quand même beaucoup de fermes, oui. Donc faire un élevage de porc, c'est pas si mal. Je sais pas si je fais un abattoir aussi. Ça éviterait de faire des allers-retours quand même. Ok, quand même quelques mines ici. Cette zone là pour faire la ferme au cas où. Bien, tout a l'air de bien se passer, ou plutôt bien on va dire. Ici quelques épées qui sont arrivées. Non, ça c'est de la bière. Il y a un bouclier là, ce serait bien qu'ils le ramènent. Et s'ils le font, voir s'il y a tout de suite, dans les 10-15 secondes, un soldat qui sort. Pardon, qui sort. Effectivement, lui ramène le bouclier. Et voilà, c'est ça, il y a un soldat qui sort directement. Donc c'est bien ces trois ressources qui sont super éloignées sur la grille, qui sont nécessaires. Ici, il y a encore rien, encore plein.
Il y en a encore plein. Ça aurait été plus rapide de dire que toute la bière vienne là, mais la brasserie est à l'autre bout. Donc, cabane de pêcheur. Aucune ressource. Ah, c'est notre toute première cabane de pêcheur, donc reste compréhensible. Oh, il y a besoin de l'eau à emmener quelque part. Du moins, il y a une autre cabane de pêcheur qui est faite. Non, non, vite. Il est là, oui. Quel endroit a besoin d'eau ? Oh, il y a quand même beaucoup d'eau qui est en stock, donc au pire, c'est pas grave si les bateaux doivent transporter de l'eau plutôt que de la produire sur place. Mais par curiosité, c'est ici qu'on a besoin d'eau. Pourquoi j'ai un puits, j'ai une boulangerie, normalement c'est bon. Ah, peut-être que les cochons ont besoin d'eau aussi. Oui. Oui, oui, oui. Quelle idée de mettre un arbre ici, saleté de séviculteur. Et le bûcheron, pourquoi tu le laisses pousser aussi longtemps? Où est-ce que j'avais laissé aussi un autre endroit? J'avais laissé, je crois, un autre endroit. Un bâtiment que je n'ai pas construit. Carrière, aucune ressource, très bien. Chasseur, on dirait qu'il n'y a aucune ressource. Et on va remettre un autre bûcheron, hein. De toute façon, il y a un sylviculteur ici. Il y a beaucoup de forêts. Les planches, on n'en aura jamais assez. Enfin, jamais trop. Vu qu'il n'y a pas de malus pour avoir trop de planches ou de bûches, par exemple. Autant en avoir à l'infini. Il y a quand même 80 bûches de rab et 550 planches. Bon, j'avoue, on en a peut-être plus qu'on en utilisera. Mais on en a jamais trop quand même. Par exemple, est-ce qu'ici il y a des bûches? Oui, ici il y a plein de bûches. On peut mettre une scierie. Voilà. L'abattoir est terminé. Très bien. L'élevage de porc manque d'eau. Ferme, elle a l'air mal placée en fait. On va d'abord détruire la ferme, récupérer le bois et on va mettre une cabane de bûcheron pour détruire la forêt et on mettra une meilleure ferme, peut-être un peu mieux placée. Enfin, peut-être. Ah non, il y aura peut-être rien. Tant pis. Mine de fer, aucune ressource découverte, c'est celle-ci logiquement. Pareil pour cette mine de pierre. Une ferme de terminée ici. Oh, j'avais oublié que j'en avais mis une ici.
Ici, on peut attaquer avec 4 soldats. Wouhou! On va attendre un cinquième. Bâtiment terminé, ferme. Oui. Bâtiment terminé, cabane de bûcheron. Oui. La caserne est occupée, enfin! Alors, écrit LOL, c'est écrit quoi? Alors la carrière peut aller jusque là pour le moment, donc on va le laisser aller jusque là pour le moment. Est-ce qu'ici c'est pas trop près? Si c'est trop près, donc on va devoir se mettre là. Cabane de bûcheron. Très bien, bâtiment terminé, ferme. Est-ce qu'il y a une cabane de bûcheron dans le coin? Parce que là, il y a quand même quelques arbres qui vont gêner. Bâtiment militaire occupé. Et ben voilà. Même détruire celui-ci. Et bon, là on en est, on peut presque attendre celui-là, mais on va ce qu'elle est là. J'ai pas la validation que là c'est pas relié. Si ça se trouve c'est relié à leur base principale. Ah bah là, on va assister en direct à la prise de fonction d'un soldat dans sa caserne. Très bien, on arrive bel et bien au bout. Oh non. Non, c'est abusé. Ça serait abusé. Donc oui, bâtiment terminé, ferme. Elles sont peut-être un peu proches et ils vont pas pouvoir produire beaucoup. Mais c'est pas grave. Celle-ci aussi, c'est pas grave. Alors la Syrie, mais il manque un ouvrier, mais on va dire qu'ils vont arriver. Syrie, charpentier, fabrique des planches à partir des arbres abattus. Son outil est la scie. Est-ce que je vois des scies? Donc on en a 0. Oui, entre parenthèses 0. Et la scie, on en a 2. Donc oui, c'est bon. Bâtiment militaire occupé, ici. Très bien. Moulin. Le moulin que je revois. Il a pas besoin d'eau normalement, c'est le boulanger qui en a besoin. Oui. Non. Alors, ces deux fermes s'y sont terminées. Non, celle-ci, celle-là. Très bien.
Alors ici, il y a deux soldats. Ici, il y en a plein. Je me demande en fait, là je vois une ferme qui dort, même si je viens de l'avoir produit, dire qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre des champs. Hein. Vaut mieux supprimer comme ça les fermiers pourront aller ailleurs. Regardez le combat, apparemment on a plus de soldats. Ah non, il y en a un qui ressort. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui sortent? Là on dirait pas, donc on a des grandes chances de gagner ce combat. Enfin. Alors cabane de bûcheron, il manque un ouvrier. On est où? On est sur l'île du centre. Cabane de pêcheur, pareil, il manque un ouvrier, mais on est sur l'île du sud-est. Bâtiment militaire occupé, ça c'est bien ça. Alors celui-ci devrait faire comme ça. On va plutôt aller s'occuper de là alors. Hop, une ferme ici. Une autre là. Non. Ah. Non. Oh, j'arrive juste au mauvais moment. Bâtiment militaire capturé. C'est quoi ça? C'est une ferme. Avec quelques cadavres dans le coin. Alors on va relier ça à notre route. Supprimer ce drapeau. On va mettre une... Une cabane de pêcheur. Une caserne de... Terminé là, oui, donc un soldat. Ici, pareil. Et ici, identique. Mais... Comment on a avancé? Pourquoi il y a zéro bouclier dans tous mes entrepôts? Est-ce que c'est que les... Ouais, il y a encore pas mal de boucliers qui sont en train d'arriver. Donc ils sont pas dans les entrepôts, mais... Ils sont pas en chemin non plus, quoi. Bon, voilà. C'est lui qui ralentit tout. Peut-être même lui. Mais j'aurais pensé que... Ouais, c'est lui. J'aurais pensé qu'il ait un compagnon âne plus vite.
Alors cette caserne est occupée. J'ai presque envie de, la détruire. Je sais pas si... ça serait gênant. Non. Pas une maison de garde. Non, pas une maison de pêcheur. Oh, une caserne, oui. Et viens là, même en diagonale. Parfait. Et toi, oui, détruire la structure. Ah, 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 j'arrive au bon moment. Voilà. Alors ici, on va voir si lui travaille encore ou s'il s'arrête au milieu. Il s'arrête au milieu, on peut détruire cet arbre. Ferme terminée, oui, juste là, justement. Bâtiment occupé, caserne, oui, très bien. On peut en rajouter une ici. Et on peut en rajouter une là. Avec une ferme ici et une autre là. Ouf. Sauvegarde auto. Campagne de bûcheron terminée. Enfin. Ah si, lui là. Une zone ou deux là pour travailler. Si, là aussi. Ouais, on va attendre. On va attendre que le bûcheron détruise de ce côté. Elles sont un peu proches. Peut-être qu'il faudrait que je détruise cette ferme et que je la déplace là. Comment il bosse? Pas du tout. On va essayer de faire en sorte d'en avoir qu'une seule. Ou pas. Peut-être des abattoirs, des élevages de cochons. Oula, il y a beaucoup de choses. Cabane de bûcheron, ok. Aucune ressource découverte pour cette cabane de bûcheron, on supprime. Oui. Moulin. C'est sur l'île du Sud, très bien, oui, parce que j'ai quelques fermes. Donc, si possible, je peux transformer la farine avant d'envoyer. Mine de charbon, aucune ressource découverte, c'est laquelle des deux? Je suis pas sûr que c'est une grande importance. En général, c'est plus ou moins les deux. Caserne terminée, mais pas encore de soldats, pas encore occupés. Voilà. Les deux mines de charbon, en effet. La ferme. Oui, bah. Va attendre son fermier. Et oui, elle va attendre son fermier, c'est bien ce que je disais. Voilà, alors. Ici, on a combien de soldats? Ah, mais. Non, j'ai pas l'espace pour l'agrandir. Si je détruis la route, j'ai toujours pas l'espace pour l'agrandir. Ok. Si je peux attaquer à 5, c'est un port. Ici, je peux attaquer à 5. Oh, c'est une tour de garde en construction. Que j'attaque ici avant que cette tour de garde soit faite. Bâtiment militaire occupé. Si tu peux en faire une ici, ça serait parfait. Voilà. Et ici, un petit port de pêche. Soldat, c'est ici. Un puits. Ah.
Ah oui, c'est vrai, j'en avais demandé un. C'est tellement longtemps que je n'en étais plus sûr. Non, là, ils vont avoir le temps de le faire, mais si ça se trouve, ils vont pas avoir le temps de mettre des gens dedans. Donc je pourrais le capturer très facilement. Si ça se trouve. Rien n'est garanti dans ce jeu. Alors, caserne terminée, oui, c'est pour atteindre le nord. Il me reste encore un petit peu de cette île. Aucune ressource découverte dans ces deux mines de charbon. Les soldats, comment ça se passe? On a au moins un, deux soldats, trois soldats drab. Donc j'ai l'impression que tout va bien se passer. Ce bâtiment est construit, mais il n'y a pas encore de soldats à l'intérieur. Que va-t-il se passer? Oui, il est détruit. Ouf. Voilà. On va attendre un petit peu, parce que lui va remonter je sais pas où. C'est quoi ça? Ça c'est un moulin, d'accord. Une ferme est terminée ici. Bâtiment militaire capturé. Oui, j'ai vu. Cabane de pêche terminée. Parfait. Oui, lui, il va remonter jusque là. Non, mais je pense qu'il faut que je détruise ça. Enfin, que j'attaque ça. Pour que eux de... Là, il n'y a même plus de barre transversale. Là, il y a une croix, donc... Ça permettra de libérer... beaucoup de monde, genre eux aussi. Et eux. Ah, lui il va jusqu'où? Jusqu'ici. Là peut-être. Non, là. Ah non, plus loin encore. Oh, je sais pas ce qu'il faut, voilà. Bâtiment de caserne terminé. Ah, peut-être qu'il s'est démobilisé pour aller à une caserne qui a été construite. Comme celle-ci. Je ne sais pas trop. Bon, le portail est là. Il va falloir qu'on attaque ici. Par ici. 3, c'est pas beaucoup, 3 quand même. Là, il y en a deux qui viennent. Voilà, 3 et 2, 5. Allez hop, ça aurait été bien. C'est comme ça que j'envisageais la chose, en tout cas. On peut mettre un élevage de porc ici. Et un abattoir là. Cabane de pêcheur, aucune ressource découverte. On est où? On est au tout début encore. Détruire. Une caserne terminée et occupée, j'allais dire. Une caserne occupée ici. Ici, on voit une ferme. Donc, on va mettre les casernes là. Mais après, on remettra une caserne par ici et ça sera bien. Mais ici, il n'y a rien qui a préparé à s'étendre. Ah, j'avais préparé là, mais vu que j'ai détruit la caserne, ouais, ça doit être ça. On va mettre ici.
quoi ça? C'est un cochon? On a des cochons d'avance maintenant? On a trois cochons d'avance quelque part. Ping, 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 ping. D'ailleurs, c'était les... On a pas mal de céréales d'avance, pas mal de farine, donc on pourrait faire plus de boulangerie là où il y a la farine d'avance, si possible, et plus d'élevage de porc là où il y a les céréales. Ou de moulin aussi. Alors la cabane de pêcheur terminée, parfait. Ici c'est occupé, donc on peut mettre une cabane de pêcheur. Ah, ça passe par là. Pas ouf, hein. Pas ouf sur 20. Pas grave. Là, là c'est occupé. Oh là. Comment je peux atteindre ici? Avec une carrière et. Et ça, ça libérera les emplacements. Port d'ailleurs, ça me fait penser aux 383 pierres, ça devrait aller. Donc ici on a un peu de farine et de céréales, très bien. Traditionnel abattoir, il est où? Abattoir. Sauvegarde auto, territoire perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit une tour de garde ici, donc j'ai perdu 2 mm. Dommage. Peut-être dû attaquer lui d'abord. Ça aurait été... Ça aurait sûrement atteint la rivière et bloqué lui. Mais je veux libérer les casernes qui sont un peu loin. Donc ici, cette caserne est occupée, très bien. Oh, on peut faire... On peut faire ça. Voie navigable. Et du coup, ces deux passages sont reliés. Et ici, on pourrait relier un jour. Aucune ressource découverte dans cette cabane. Celle-là, je me souviens avoir dit que je la détruirais. Peut-être qu'en enlevant le drapeau, on pourra mettre une ferme ici ou là. Et ça fera plus de terre... utilisable. Caserne, oui. D'ailleurs, on en est où dans ce port-ci? Ah, ok, on a réussi à faire tous les soldats qu'on avait prévus. Ou presque. Il y a peut-être encore quelques épées et boucliers sur le chemin. Caserne est terminée, très bien. Oui, quand on arrivera là aussi, on pourra faire une autre voie navigable. Peut-être ici, peut-être en triangle, comme ça serait parfait si c'était faisable. Ou une là, c'est très bien aussi. Je vais dire, ils ont toujours pas fini juste à ce moment-là.
on l'atteint. Alors. En plus, là, il me bloque. Moi, je peux pas faire une route pour rejoindre. Lui a perdu un cran, c'est bien. Alors, une ferme terminée sur cette île, très bien. Bâtiment militaire capturé, c'est ce que je venais de voir. Une autre ferme terminée ici. Oui. D'ailleurs, j'ai pas demandé à faire un élevage de porc là. M2. Il va falloir un nouveau puits au moins. La carrière, plus de ressources. On te détruit. Oh, c'est pas allé jusqu'au bout. Hop. On en reconstruit une ici. Alors, toi tu t'arrêtes au milieu ou tu as un autre, tu t'arrêtes au milieu. Donc on peut tout détruire. Ah, ici on va voir un peu plus loin. On va pouvoir mettre une autre carrière d'ailleurs. Ah, peut-être une autre que celle-ci. On peut mettre une carrière là. Et une caserne ici. Parce que d'ici la carrière, je pense qu'elle peut englober tout ça. Ça évitera d'en avoir deux. Élevage de porc, c'est bon. Pas d'ouvriers dans cette ferme, ni dans celle-ci. Plus d'or ici. Et cette caserne est occupée. Très bien. Si on demande à un géologue, il nous dira qu'il n'y a plus rien, je suppose. Cabane de pêcheur, oula, le gros détour. Je me souviens désormais. Bâtiment militaire occupé ici. Voilà. On pourra en mettre un plus loin, donc ça sera bien. Carrière ici, pour pouvoir mettre une caserne et débloquer cette presqu'île. Oui. Alors. Paramètres d'économie globale. On a besoin quand même de plus de faux. Les mineurs, je pense qu'on en aura moins besoin maintenant. Il y a beaucoup de mines qui se sont fermées. Les abattoirs, on en avait énormément. Mode de transport, d'abord les pièces, puis les armes, puis la bière. Donc tout ce qui fait les soldats. Ensuite les ressources un peu avancées, puis le bois et les ressources de moins en moins avancées. Ferme de terminer sur cette île. Je sais pas trop, je pourrais en produire genre une par là et une par là. Bah, une ici, c'est sûr. Cabane de chasseur ne chasse plus rien. On va pouvoir libérer le chemin aussi. L'abattoir terminé ici. On est où? On est tout au sud. Oui, parce que j'avais fait un élevage de porc. Un élevage de porc terminé ici.
On a besoin d'eau, le puits n'est pas fait. Ah, dommage. Un abattoir ici. À côté de deux élevages de porcs. De l'eau, il y en a beaucoup en stock de toute façon. C'est un peu dommage de l'envoyer depuis les stocks, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je cherche? Oh, on a pas mal de ressources en fait. De nourriture. Juste que la nourriture est lente à arriver là où on veut. Ou par exemple, on n'en veut pas ici. Parce qu'il n'y a plus de mine ici. La farine, on en veut quand même parce qu'il y a une boulangerie dans le coin. Alors, bâtiment terminé, la ferme, très bien. Ici, est-ce qu'on peut attaquer avec 9? Bon, c'est même un peu trop 9. On aurait pu attaquer avec à deux endroits simultanément. Ici, on peut mettre une ferme, apparemment. Non. C'est plus ici qu'elle était. Oui. On peut en mettre une deuxième là, je dirais. Sauvegarde auto, carrière faite, élevage d'âne. D'âne ? Jamais. Non, pas des ânes. Quand je regarde les ânes. Bon, j'en ai pas d'avance. J'en ai pas d'avance. J'en ai 45 d'avance. C'était où ? Dommage. Là. Déjà, je pensais que c'était une ferme. Porc, c'est bien. Alors, cabane de pêcheur, aucune ressource découverte. Tu as bien fait ton boulot. Caserne, puis. Oui. Élevage de porc. Oui. Bûcheron. Aucune ressource découverte. Oui, c'était pour les fermes qui sont à 85%. Peut-être qu'elles peuvent un tout petit peu plus, mais c'est bien. Un peu trop collé. Et comme j'avais dit, je peux peut-être détruire cette ferme pour la replacer ici. Comme ça, les deux auront un boost. Même là, je la replace. Je fais une ferme ici, que je détruis celle-ci, que je dis que ça, ça va là. Je pense que ça ira bien. Ouais, ça devrait. Alors, les combats. Je crois qu'il y a deux soldats qui viennent de rentrer là. Alors que j'ai des soldats tout autour, voilà. C'est bien ça. Leurs soldats sont en train d'arriver sur le champ de bataille, alors que les miens, ils sont déjà. Une caserne de fini, oui. Non, l'inverse. Attendez, est-ce qu'on peut... Non. Je veux faire une route. Ok, donc ici ça sert à rien. Un moulin là. Un moulin ça. Pas confondre. Et une boulangerie ici. Je peux avoir un entrepôt. Je sais plus si c'est deux ou trois l'entrepôt. Ah
Territoire perdu. Oh, on s'est sérieusement mis ici. Attendez, les deux soldats, ils vont au combat ou ils vont remplir ma maison de garde? Ok. La musique, pourquoi mon soldat reste là? Ok, c'est juste qu'il n'y a plus la musique, ça fait un combat trop long. Ah, si. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de bruit d'épée et de bouclier. Du coup, oula. Du coup, ils ne veulent plus mettre la musique. Ça me convient pas trop, mais on va dire que ça va. Bélépépim. Caserne militaire occupée. Ouais, non, toi t'es un peu loin pour faire quoi que ce soit à la limite. Tu as débloqué des zones de minerais. Alors lui a encore gagné son duel. Il attend. Lui attend aussi. Deux soldats viennent de sortir pour aller les voir. Il a gagné son duel, il attend. Lui aussi il avait gagné, j'avais pas vu. Lui vient de gagner alors. Lui aussi. Ok, il n'y aura pas d'autres ennemis apparemment. Donc. Si on n'a pas énormément la poisse, on devrait conquérir cette tour de garde. Bâtiment militaire occupé, tour de garde, parfait. Ouais. Une ferme terminée sur l'île centrale, mais il n'y a pas d'oublié. D'ouvrier. Il y a des oubliés. Un bâtiment militaire capturé, voilà. Ok, et lui est donc dans une enclave. On va voir si avec juste 3 soldats ça va. Ce serait cool. Hop là. Ici que je voulais cliquer. De là, je vais aller là aussi. Et voilà. Ah, ici il n'y a plus qu'une barre, c'est bien. Ici aussi encore une barre. Ici encore la croix. C'est lui qui gâche tout. J'ai mis quoi? J'ai mis un drapeau. Alors, un bâtiment sans... une ferme sans ouvriers au centre. C'est classique. Bâtiment d'élevage de porc. C'est bien. Ah, lui a réussi son duel. Mais il est rentré chez lui se soigner, c'est ça? Ok.
Je lui passe direct en drapeau blanc, donc le deuxième soldat sort. Ok, ça c'est agréable. Bâtiment militaire occupé, oui. Ah. On peut faire un port ici. Donc on va en profiter, ça fait un... Ça fait un entrepôt au final. Et ça peut permettre à nos bateaux de venir plus vite. Alors ici, c'était ici, non c'était là. Hop, et une route maritime. Non, détruire le drapeau. Jusqu'ici, voilà. Il y a juste une zone de non-droit ici. Mais bon. Garde auto. Soldats, moi ça le fait pas, j'attaque pas avec seulement deux soldats. Ok, il y en a au moins 3 qui arrivent. 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait une attaque à 9, c'est déjà beaucoup mieux. Mais genre beaucoup mieux. Ici on peut mettre des fermes. Je sais, j'arrête pas de mettre des fermes et j'arrête pas de dire que j'ai plus de fermiers. Je sais pas trop quoi faire d'autre sinon en fait. 4. Encore un là, mais bon, celui-ci il est un peu loin. Attaque ça. C'est une meilleure attaque. Alors il faut que j'aille à gauche. Vu que les attaques sont lentes, on va essayer de finir ça dans cet épisode. Donc voilà, on va accélérer. On va s'occuper quasiment plus que de ça. Je vais juste regarder, bâtiment terminé, caserne, oui. C'était où? Non, c'était pas là, c'était plus... Frappe de pièce, parfait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'or d'avance qui arrive à la frappe de pièce, d'accord. L'entrepôt, il me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'or d'avance tout court. Ok. Alors, il y a un pêcheur qui est terminé ici, d'accord. Ici, il y a des échanges qui commencent à se faire. Toujours pas le soldat.
pas mal de soldats qui attendent. Et ils se battent jusqu'ici. Tac, il sort. Ok, lui a gagné son duel. Il y a encore un qui sort pour aller là-haut. Lui a gagné son duel. Lui, il attend quelqu'un. Il y en a qui est rentré ici. Alors, aucune ressource découverte, on est au centre. On va dire que c'est bon. Au milieu de toutes les fermes, on n'a pas envie de mettre des. De la forêt. Parlant de toutes les fermes, on peut en rajouter une petite par gourmandise ici. Une ferme de fini. Ok. Une cabane de pêcheurs. Oui, on est là. Ah. C'est un drapeau. Oui. Toi, tu peux aller là. Ça fera un raccourci pour les soldats. Donc on a perdu le combat. Non, ça fait pas de raccourci pour le soldat vu qu'il n'y a pas de. Vu qu'il passe pas par le petit pont. Alors, une ferme de fini ici, oui, c'est chez eux. Ici, c'est chez moi, celle que j'ai déplacée. Il n'y a pas encore d'ouvriers, d'accord. Mine de fer, aucune ressource découverte. Très bien. Ce serait bien du fer quand même. Moulin, oui. Boulangerie, oui. Attaquer avec 6, ça me plaît. Et le port est bientôt fini. Donc les ressources pourront même arriver par le port si besoin. L'entrepôt ici terminé, très bien. Ah non, il manque encore 4 pierres. Quoi, mais 6 soldats, ils ont rien fait. Ah bah là, on va devoir attendre, on va devoir retrouver de l'or. Et donc je vais arrêter l'épisode là. Dans le prochain, on va devoir retrouver de l'or et attendre que de faire des pièces pour que nos soldats s'améliorent. Tout ça, puisque avec les soldats de base, ça n'a pas l'air ouf. Voilà, je lance les petits géologues là où je vois tout de suite comme ça. Tout à l'heure, ça sera bon. Normalement, j'avoue, je me souviens plus s'ils sont sympas avec la sauvegarde sortie ou pas. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que j'aurais pu mieux faire, tout ça, et à mettre des j'aime si vous avez aimé, bien évidemment. Et je vous dis. À bientôt.